Bonjour la VOD, on a une petite ballerine à nous, qui nous fait des cadeaux. Moi, elle m'a rien déposé. Toi, t'as eu de la chance, elle t'a donné des fleurs, des trucs, moi, elle m'a rien donné. Merci, elle m'a donné. Ah, t'as trop de chance. Alors, du coup, on fait du bois alors? On va pas tout de suite en Oui, expédition. on y va, moi je parle de juste ça. Ok. Oh. Non, c'était prévu, c'était prévu, tout Bien était sûr! calculé. Je m'éloigne, hein. Ce sont des dangers. Qu'est-ce que On sait, c'est? on a Oh, un coup des... pour Ah la oui, les ramener. poissons, on les voit. Ah, mais les bateaux que j'ai vus quand je plongeais, on les voit d'ici aussi. C'est trop bien. Bah dans les bateaux qui sont coulés, j'ai chopé des trucs. Oui, moi aussi, j'avais chopé des trucs. Comment on déconstruit? Bon, bah, je vais légèrement aux alentours, alors vous me direz quand vous êtes dispo. Ouais, je C'est laisse tomber. chaud. Je sais pas, vous me dites si je suis chaud, mais en fait, on n'y va pas. Ouais, C'est lui, je sais pas. non mais je veux juste que Toto il coupe un peu d'arbres. Je veux juste refermer ce que j'ai cassé, voilà. C'était pas terrible en fait. Outil. Faire la porte là où Toto a dit. Fais un chemin ici. Il y a un Merde, des chemin. oiseaux. Il y a un cours d'eau, ouais. Ah, mais j'ai pas besoin de bois. Oh, coucou. Ah, la peur, je lui ai cassé un arbre. Non, mais j'ai pas fait exprès. Bon, bah, au revoir. Fais une fin de Toto, j'arrive. Elle a dégommé. Arrête d'être méchant avec la ballerine. Moi, elle m'a rien donné, donc elle est méchante. Moi, j'ai pas eu mon cadeau. Exactement. Bon voilà, je n'ai pas mal de bûches à récupérer. C'est tout? Mais non, mais c'est long aussi. Allez, venez, on fait ça avant qu'il fasse nuit. Genre. Parce que la nuit, elle dure à peu près 2 ans. Un peu trop la nuit dans un jeu. Ouais. Oh! Ah non, je crois que c'était un truc, d'accord. Je crois qu'il y avait un trou dedans. Tant qu'on est en forme, on y va. Voilà, c'est bon. Et je répare et on est parti. Eh ben, je vais partir en expédition, moi. Hein. Mais ça répare quoi? Je sais pas, mais je l'entends d'ici alors que je suis parti. La réparation, ça Oui, s'entend ça sur toute répare. la map. Je suis derrière toi, Lox. Regarde ici. Bah, misez-vous bien. Il y a un campement. Oh ouais, il y a plein de loot. Les fusées éclairantes. Fusil à pompe! Ah, j'ai des balles de pompe déjà. Sérieux? Ouais, j'ai Oh, tout à l'heure. c'est pas mal. Il y a pas mal de trucs. Hein. Bon, c'est un tout petit campement à la con, mais effectivement, il y a des loots. 200 résines d'imprimante. C'est bien ça. Pourquoi j'ai ça? Ah, si, on va en avoir besoin pour plus tard. J'imagine, j'imagine. Oh, il y a un truc, il y a un appareil. Oh, je l'ai fait tomber. Il y avait un Résine appareil. d'imprimante 3D. Continue par là. Oh, il y a une maison. Ah non, c'est de l'eau. Oh, j'aimerais trop des jumelles. Peut-être qu'on peut en trouver. Et c'est quoi le point, tu sais, qui bip sur notre carte? Ah, On j'ai le voit pas ou fait pas? gaffe, attends. Il y a Ah une ouais, on a un tourelle point juste en là. dessous de nous. Bah, c'est peut-être la géolocalisation d'une personne qu'on doit retrouver ou je sais pas quoi. Ou d'un indice. Oh! Oh merde! Bon, ça va. Ça va, Ouais, j'ai toi, pas tu sauté. descends comme un fou, toi. Ouais, je vais manger des myrtilles, tiens. Ça me fera un petit apport en glucides. Il est où Envy? Ah, il Voilà, est je là. bouge pas. Je fais le tour, moi. Je tombe pas. Voilà. Je vais manger un poisson à tes. Moi, j'ai ton poisson. Parce qu'on est. On est. On est. Non, Oh, on est. poisson-là, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci, Gilo! Il y a un caddie de golf. Merci pour le Ouais, raid! merci des autres quand on. Merci, merci! Je viens juste de relancer, j'avais un problème de stream. J'avais un problème de cam, comme d'hab, en ce moment. Moi, je sais pas, on est sur le pont, mais y'a rien. Donc, il reste quelques On fait pas survivants point sur un le des points? live, mais pas beaucoup. On est au point vert. Hello, Sodium! Salut, Grinkou! Zoom? Non, il est plus Mince, là. ouais. Ah ouais. Ma cam qui freeze Il est de plus là-dessus. manière Il est là, le complètement point vert. aléatoire et Là où je suis. Ah là, je peux plus là. relancer Il est aussi. OBS pour que ça Là, c'est refonctionne. bon. Oh, ça, on savait.
Mais relancer OBS, souvent ça suffit pas, faut en faire plusieurs fois, faut rallumer la cam plusieurs fois, machin. Merci Bloody, salut Youyou. Alors, comment tu trouves? Tu t'en es sorti? Vous avez vu le point? J'ai pas fait gaffe. Ah oui, il est censé être juste là, pardon. Il est descendu dans un truc. Oh, j'arrive, j'arrive. C'est moi, j'ai eu le raid de Kilo. Attends, garde ton briquet, prends une arme. Comment je fais pour faire? Prends ton tabasse, plutôt. Lux with the red hair. Ça pas freeze? Non, ça va. Attends, j'attends Lux. Comment j'ai terminé le red hair. L. But... L. Not so flashy. Than before. Oh, on dirait un énorme conteneur. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un labo? On est comme Doc Candid? On aura besoin des trucs que t'as trouvé. Ah, c'est... On va trouver Bulgur. Ouh, ça va. Et il va nous parler comme ça. Plutôt comme ça. Ok, c'est ça. Attends, on peut dormir ici, on peut dormir. Il y a des flèches. Helmet, arm, leg. De la résine d'imprimante 3D, hein, j'avais raison. On va du coup pouvoir utiliser. On va pouvoir imprimer des trucs. Ah ouais, on peut imprimer une flèche. J'ai imprimé des flèches. Mais c'est incroyable. C'était vraiment ça quand tu faisais de la résine d'imprimante, je sais pas, c'est on fait toujours penser à ton 3D. Processeur. Bah, apparemment, d'après Vendel, ça vient des chipsets USB qui sont pourris sur Windows. Rapidité. Apparemment. Non, pas qu'ils sont pourris sur Windows 11, qu'est-ce que je dis qu'ils sont pourris avec. On peut imprimer pas. Avec les dernières générations de AMD. Excusez-moi, j'étais sur Windows 11, je sais pas pourquoi. Encore de la résine. Je relance ou pas? Parce que j'ai eu des freezes quand mon prof ça allait très très bien. Ah, on peut faire. Regardez, on peut faire une gourde. Ah ouais? On peut faire des masques. On peut faire plein de choses. Quand mon prof ça allait bien, j'ai quand même eu des freezes. On peut faire les gourdes, ça vous dit, non? On se fait des gourdes? Allez, une gourde. Allez, go. J'ai mis de la résine. I have always my green screen here, but okay. I take it when I want, like yesterday. I used it yesterday, but now I have all that. Pro streamer now, exactly. Professionnel. Donc ça s'est barré comme ça, elle a peur de rien. Hein? Moi je suis toujours là, hein. J'attends que les trucs s'impriment. Hein. Eh, c'est vous qui vous êtes barré? Donc ça s'est barré comme ça, non mais je fais rien du tout moi, je regarde un petit peu les trucs à imprimer et tout. Mais si vous avez des petits frises. Tim Leblanc. Tant que c'est pas ma cam, ça va. Oui. C'est bien. Allez, pose ça s'il te plaît. Bon, faut qu'on trouve une carte. Allez, allez, carte. Allez, ok. Tim Leblanc, super, j'ai un bouquin dans la main, il veut pas le lâcher, ça m'énerve. J'ai. Voilà. Vous trouvez une clé? Attendez-moi! Attendez-moi! J'ai eu peur. Oh! Oh, t'as une truc éclairante? C'est une torche? Oh, comment t'as fait une torche? Oh, ici. Ah, il y a le flacon qui est fait. J'en fais un autre de flacon? Je l'ai pris. J'ai pris un truc. J'ai hâte de la résine. Plutôt. Pour pouvoir terminer. Oh, il y a du Chatterton ici. Et il y a des piles. Il y a plein de trucs, faut bien fouiller. Il y a un autre flacon si quelqu'un le veut. Il est en train de. Ah bah je vais le prendre alors. Une gourde. J'ai de la résine, hop. Je la prends. Ok, j'ai une petite gourde en. Putain, c'est trop marrant que tu t'es rajouté ça. Mais on peut pas avoir une base ici, c'est trop bien. En vrai, ici. Ici, on a aucune chance de se faire attaquer. Et on peut sauvegarder et tout. Il y a des flèches. Il y a plein de flèches. Ah mais on les voit tous les flèches du coup, moi aussi je les ai ramassées. Ah d'accord, ah bah je prends alors. C'est trop fou, je sais pas hein, mais moi je me dis se faire une base ici ça peut être bien. Quelqu'un apprenne. Ouais, bah... Non, attends, ah c'est bon. Ok, c'est bon. Après on a des masques, crochets de grappin, pilet tech. Traîneau. Un traîneau. Faut 1000 ml par contre. Moi j'en ai déjà plus, j'en ai plusieurs mais pas autant. Tu fais le traîneau ou pas? C'est un truc pour porter des objets je pense. Ah. Si on est blessé. Mais t'as quoi d'autre tu disais? Parce que je serais... Au cas où il y a des trucs plus... Pilet tech et tout mais ça me... Je sais pas. Je tente le traîneau. Ouais, il a pas entendu ta réponse hein. Ouais. Il l'a fait direct. C'est ça. De quoi? Mais c'est que je voulais donner mon avis en disant oh bah c'est le truc plus utile et non, tout. Non mais le reste ça coûte rien. Il y a que le filet traîneau qui coûte cher et j'ai vu il reste de la résine au camp derrière. En fait on peut tout faire.
Attends, y'a pas des trucs à loot à gauche? Ah non, je pense. Et imaginons, je veux poser des trucs. On va pouvoir ici faire de la luge. Une luge quoi, ouais. Une luge, ça, ça peut être cool. Attendez, imaginons. Là. Oula. Oula là, ça bug un peu. Bon. On est remis 100. L'autre mode. Imaginons, là, je veux construire un lit. Est-ce que je peux ici? Je vais checker. Ouais. Mais ouais, en fait. Mais on peut complètement... Ouais, on peut complètement se faire une base ici, en fait. Bon, après, à tous les coups, ça donne sur un traquenard, mais... Vous êtes allé au bout? Vous avez tout regardé? Ouais, là-bas, on a été, y'a rien. Il faut, en fait, il faut une carte magnétique. Ah, non, putain, mais c'est tellement grand deal. Ça donnait le moule d'une clé. C'est tout bizarre comment c'est. Oh, une montre. Je prends la montre. Ah, mais du coup, les loots, tout le monde les laisse là, les loots en fait. Ok, d'accord, parce que des fois je laisse des trucs. Je me dis que si Toto avait pas looté en fait, ouais. Ça n'a pas marché. Ouais, mais non, mais c'est bien ici comme base. Bon, on est peut-être mal placé, je sais pas, mais. On est caché. Franchement, déjà la pluie peut rien nous faire. Bon, ah non, non, amener du stuff c'est insupportable par contre, mais bon. C'est ce que je me demande, mais on verra, écoutez. Bah en fait, on a un lit, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Si on peut mettre des torches et tout, bah. Ah oui, non, c'est se faire à bouffer. C'est se faire à bouffer quand ils les tuent, parce que je pense qu'on peut pas se poser un feu de camp, ce serait assez logique. Ah oui. Moi, que j'essaierais bien en vrai. Hein. Attends, je vais essayer, je vais prendre un bout de bois dans ma main. Sinon, mets-le au bout là-bas. Comme ça, on... Mais oui, à l'entrée au pire. Hein. Non, mais c'est chiant là. C'est ici, on verra bien. Bah, ça a l'air de marcher, hein. Ah! Ah! Oh, c'est marrant! Ah, les bâtards, les systèmes anti-incendie! Oh, ils ont pas un système anti-incendie, mais c'est trop drôle! Ils ont pensé à ça! Ouais, donc ils ont pensé à ça en fait. Ah, oh, c'est génial! Bon, toi, ça l'éteint pas. C'est vrai que ça met du temps. Ça l'éteint pas. Mais ça va être chiant s'il y a ce bruit là à chaque fois qu'on bouge. J'avoue ça! Je vais faire cuire un truc, on va voir. Ouais, vas-y. Ah oui! Ah, oh, je peux pas les manger, ils sont dangereux. Ah, oh, c'est trop drôle! On a essayé d'arnaquer le game, ça a pas marché. Oh, le poisson, il est rouge. Eh ben, je sais pas, ils sont peut-être trop cramés, non? C'est du... Il y a écrit rotten poisson, donc c'est du poisson pourri. Ouais. Peut-être, ah, en cuisant, peut-être que si on cuit, c'est ok. Moi, j'ai du cookiette, ça va. On va manger un d'ailleurs. Il a cuit ou pas? Ah ouais, quand il cuit, c'est bon. Oh, c'est trop chiant par contre. Ouais, par contre, c'est vrai que ce serait bien que ça s'arrête. On peut pas. Attends, je crois qu'on peut casser le feu avec un coup de hache. Du coup, ça s'arrêterait. Ah non. C'est comme ça dans le premier, on pouvait, mais là, on. J'ai l'impression. Bon, bah, du coup. Tant qu'il s'arrête pas tout seul. Ah ouais, du coup, il y a de la pluie partout. Ah non, juste là. Bon, et donc du coup, on n'a pas, on sait qu'il y a besoin d'une clé. Il fait nuit dehors? Non, 16h. Oui, c'est vrai qu'on a l'heure. Je vois pas ce que je fais. On voit d'autres points d'interrogation, point d'exclamation. Ouais. 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 Là, il y en a un juste à côté, okay, de nous après. Let's go. Bon. Faire un plafond. Bah en vrai, pourquoi pas, mais déjà faudrait pouvoir ramener des compos qui m'étonneraient. Genre des vraies grosses compos, je pense pas qu'on pourrait. Et surtout, en vrai, surtout le bruit qui est insupportable. Parce que ça a pas l'air d'éteindre le feu. Mais le bruit par contre est bien présent. Donc je pense que bon, ça peut être en fait un endroit de repli. Si on galère, si vraiment il y a du bordel et tout, parce que je pense pas qu'ils peuvent nous suivre jusque là. Ça peut être très intéressant. Mais on va pas faire notre base ici. C'est un peu de l'anti-jeu en vrai. Ou alors à côté on aurait pu faire aussi. Mmh. Mais on est pas très loin hein, en vrai. On est pas très très loin. Je sais même pas où on est. Elle est où notre base? Ah oui, au grand. Non. C'est vrai qu'on a pas mis de point de repère. Oui, mais on a, ah si, là-bas, K. Le K. Je crois. Non. Ah ouais.
Ouais, ouais, ouais. Pire, on sait que c'est le grand lac. Au pire, et puis même on voit notre parcours sur la carte, alors alors ça va. Ok. Bon. Une grotte d'explorer, c'est bien. Par contre, mon perso, il est alors il est pas fatigué, mais punaise, il a pas des masses Bah, il a pas des masses d'endus en fait. Il est un peu fatigué quand même. Vous allez où les garçons? Oh, à l'autre point d'exclamation là. Eh, il y a un autre point de verre aussi. Waouh, regardez ça! C'est stylax, hein? Il y a plein de gens aussi. Il commence déjà à faire sombre. Bonnie Gringo des oubis. Très bonne nuit à toi. C'est joli le jeu. Il est agréable. Moi j'ai des micro-freezes quand même. Je sais pas si c'est bon. J'en ai pas. Ah là il y a des gens, il y a des gens. Ils sont tous tombés de l'arbre là, je les ai vus. Ouais, 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 ils sont tombés. Tu te bats là? Ouais. Bah t'as pas vu, il y a plein de gens, ils sont tombés. Aïe, j'ai pris un coup. Dans ton dos? Ah, je vois pas. Ah, il commence déjà à faire tellement sombre. On va se faire défoncer Toto. Et Toto il est pas là. J'arrive, j'arrive. Oh, je me suis pris. Oh la vache, il m'a arraché la gueule. C'est die. Ah là, j'ai eu un freeze. Je me demande si. Ouais, je sais pas. Oh bah. Oh non, je suis out. Moi aussi. Oh, je suis tout seul. J'ai pas de vie. Et il m'a tué alors que je tapais. Bon bah, c'est mal barré. Je crois. Bah oui, si t'es effectivement. Ça va être respawn, on va voir où on respawn. Et est-ce qu'on repart tout notre stuff? Je sais pas. Ouais, je pense, ouais, à mon avis. Je pense aussi, hein. C'est mal barre, c'est mal barre. Oh, oh non. C'est quoi ça? C'est comme dans l'autre. On s'est fait capturer. Non, on s'est fait capturer. On est mort? Bah non, non, c'est notre seconde chance en fait. Mais en gros, t'en as que. Ouais. T'as le droit. Enfin voilà, tu te fais. Après ça, on aura plus de seconde chance et on mourra. Ouais, je peux prendre un couteau et me libérer. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mince, j'ai commencé l'animation alors qu'ils sont en train de manger en face de moi. Ah! Est-ce que j'ai quoi dans mon inventaire? Ah oui, faut retrouver notre inventaire, ok. J'ai pris l'objet par terre. Oh bah, ouais, ça va, super. Ah bah c'est le backpack. How many friends can play together in the game? Ah, y'a la nana? I don't know. On peut jouer jusqu'à combien au jeu? 8. 8. Toto, je t'ai raise. T'as pris ton backpack ou pas? Non. C'est un truc orange par terre. Okay. On se barre en courant, non? On va pas les affronter? Ouais, non, dans ton dolox. C'est juste que j'attends que Toto prenne son back. Ok, on est parti? Ouais. On run? Vous me suivez? Ouais. Je ne vois que ton pseudo d'ailleurs, tellement il fait sombre. Ouais, c'est pour ça, au moins vous. Oh. Ok. Ok. Après, je pense qu'on peut respawn. J'ai carotte plein de trucs chez eux. Je me casse. Je leur ai mis la musique à fond. Oui, ils bougeaient pas. Par contre, moi, ils m'ont pas attaqué. Enfin, il y en avait un. Il marchait derrière moi. Sur la balle, regardez. Ah, mais c'est notre cabane, putain, on est près de chez nous. Ah, ok. Ça va, on s'en sort bien. On va peut-être faire un petit dodo. Oh, y a quelqu'un. Ouais, y a une bestiole. Enfin, une bestiole. Y a un. Un local, un autochtone. Ah oui, je vois le gars qui bosse pour nous. Ouais, ouais, on le voit, ouais. Il y a une biche derrière vous. Il y a un mec aussi. Ouais, il y a surtout un mec, ouais. Il est près de nous, là. Regarde-le. Hé, hey, copain. Salut, bro, ça va? Tu bosses? Non, merde. Il est bien, lui, hein. Ah, c'est wow, regarde tout ce qu'il a ramené. Ah, je vois pas. Il y en a tellement. Ah oui. Il les a bien rangés tout en plus. Ouais, ah, j'avoue, il fait ça bien le gars. On va faire dodo comme ça, on est tranquille. Ok. Ah, il y a une flèche dans le planté dans notre base.
Oh, y'a plus de lit. Ah, y'a plus de... Mais y'a plus de maison. Regarde, c'est dehors. Oh non, on a plus de lit. Ah merde, on s'est fait attaquer. Mais on ça peut veut refaire dire. Un lit, on peut refaire un lit. Ouais, mais il faut plein de planches, plein de branches. Les branches, c'est peut-être... Ça va. On va en faire un vite fait. Parce que là, elle est en pleine nuit comme ça, c'est trop chiant. Bon bah, je le mets dans ce qui reste de maison. Et la maison en haut, elle s'est fait casser aussi? Je pense pas. Hein. Si, si, c'est la porte entre toi. Ouais. C'est bon, il est fait. Et je me dis que en vrai, on est parti 2 secondes, la cabane est déjà toute cassée. Bah oui, mais on est mort entre temps, donc on en vrai, il y a eu plus de temps qui s'est passé. Et la preuve, il fait bien nuit là. On peut faire dodo si vous voulez. Le lit, il est prêt okay. Dans ce qui reste de cabane. Mais viens, on va dormir. Toi. Ouais, please. Arrive. Quand on va voir l'état de jour, ça va être très drôle, je pense. Ouais, effectivement. Ah, mais écoute, reste... tu bois tout seul, regarde. Ah mais ça se trouve, c'est trop tard, en fait. Non... Oh non, il a peut-être fait tomber des arbres sur notre maison. Ouais, c'est ouais. Peut-être lui. Non, mais on aurait vu... Ah ben, ah ouais. Ah oui, regardez, il y a des arbres coupés juste là. Regardez où je suis. Oh, oh mais oui, c'est trop possible. C'est trop possible que ce soit... Ça m'aurait étonné qu'il attaque le PNJ. Il était pas mort. Après, il y a une flèche là. Tout à l'heure, quand il s'est fait attaquer, j'ai dû le relever. Oh non, c'est pas une flèche, c'est une torche. Non, c'est une torche. C'est ah moi ouais, qui j'ai mal vu. Tout à l'heure, quand il s'est fait attaquer, j'avais dû le relever. Tu sais, quand il était au sol, comme nous quoi. Bonsoir, Gaijin, Bara. Ça veut dire que s'il avait été attaqué. Oh, ça pleure. J'ai entendu pleurer, ouais. Ouais, j'ai entendu pleurer aussi. J'y vais. On aurait dit que c'était un animal coincé dans un piège. Moi, je pense que je vais dans un bon guet-apens des familles là. Bon bah, écoutez, on voit rien du tout. J'aime bien quand t'as une ambiance sonore comme ça un peu badante. Merde, pas cool. Ok. Mais c'est chiant, on peut pas réparer notre maison. Là, ça va être la cabane dans les bois, ça va être la nôtre, hein. Ça va être la seule. Hein. Heureusement, il a pas éclaté l'arbre dans lequel elle est. Ouais, c'est ce que je me suis dit, il a tapé ça autour, donc ça doit être bien foutu. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe, si on veut des cabanes dans les arbres, il faut laisser des arbres en vie. Mais... Oui. Bah ouais. Oh. Merci. Oh, pardon. Il m'a défoncé. On peut lui dire de ramener plutôt des poissons là, c'est bon? Peut-être non? Ah non, peut-être pas. Au final, il n'y a plus de bois déjà. J'avoue, c'est pour ça que je dis ça. Ah, des poissons, on les voit là, on les chope comment? Tu veux juste les attraper avec eux? Je sais pas, on va voir. Non, eux, ah, c'est non, pour faut boire. Juste mettre un coup de hache. Ouais, voilà. Ah, c'est un coup de hache, ok. Ouais. Ok. Parce que j'avais pied. Ok. Je vais manger un coup. Comment ça va? Bah, tranquillou, petite découverte sympathique. Même si on s'est déjà tous fait tuer. On a déjà été KO tous une fois en même temps. Du coup, on a eu droit au petit. Vite fait, je m'isole 2 secondes. J'allais aux toilettes rapido. Ça marche. On a eu le droit au petit moment où on se fait tous capturer et tout. T'as déjà joué à S'il faut rester rien ouais. Du piège à poisson. Vraiment, je. Alors, j'ai déjà joué. Jamais été au bout. Et j'arrivais pas trop à convaincre des gens à jouer avec moi. Donc, j'ai pu un peu faire tester à des gens, mais pas plus que ça. Du coup, j'ai fait. Plusieurs fois les débuts, mais j'ai jamais été très loin dans le jeu, dans le premier Z-Forest. Allô, monsieur Skull! J'ai vu ça la capture, ah oui! Ouais, bah oui! Du coup, bon. On a déjà utilisé un petit peu notre chance, quoi. C'est-à-dire que là, si on se fait down, je pense que c'est. Je pense que c'est KO et on réapparaît. Je sais pas si. Je pense qu'on peut réapparaître après, mais. On verra. Il y a vraiment des gens qui mangent des têtes de poisson comme ça en premier, ça me dégoûte. Ah alors oui, j'avoue que quand notre perso il bouffe, il en a rien à taper. mais c'est pas pire que quand il bouffe des humains.
Franchement, c'est pas pire. On a déjà plus de bois, la vache. Il y a des canards aussi. Peut-être les pécho, mais bon, faudra un arc. Il y a des canards. Hein. Ok, bon, on explore un petit peu et on est mort. C'est bien dommage. Oula! Ah non, avec l'effet d'optique, je crois que c'était très proche de la muraille, mais pas du tout. J'ai mal vu. Ah, Toté, il a pris sa bulle. Mais ouais, mais je sais pas comment l'utiliser, je crois que c'est que pour la neige. Ah bah oui. Et puis bah c'est dans des pentes. J'imagine. On peut pas rajouter des... C'est pas un plan en fait, les barrières? Oh, merde. Qu'est-ce que je peux en faire de ça, moi? Je vais les ranger. Genre là. Je pensais pas que ça l'enverrait aussi loin. Avec les yeux et tout, Burk. Mais ouais, c'est... Non, je suis d'accord. C'est jamais fini, tu entends de 100% Z-Forest. Ouais, bah après, c'est Z-Forest, c'est que moi, solo, il m'intéresse pas trop. Enfin, c'est sympa, mais voilà, je trouve que c'est quand même moins fun. Et à plusieurs, bah j'avais convaincu un peu des gens de jouer avec moi, mais ils ont pas plus accroché que ça. Du coup, j'ai jamais pu le faire jusqu'au bout, parce que franchement, solo, c'est très chiant, je trouve. Il y avait aussi une espèce de mission, d'objectif, non? Ouais, bah là, c'est retrouver des gens, mais comme dans le premier, c'est retrouver aussi notre fils, hein, c'est pas... Ok. Il y a un petit lore, parce que tu peux trouver des lettres ou des trucs comme ça, il me semble, ou des photos. Pas des lettres, mais des photos. Donc c'est un petit lore. Mais sans plus. Et oui, on va construire un arc. Première impression, c'est sympa, c'est très très proche du premier. Franchement, pour le moment, c'est comme le premier avec un meilleur moteur. Lui, il se repose. Mais après, va falloir... On a un PNJ, donc ça, c'est très sympa et très pratique. Il faut quand même s'en occuper un minimum, mais ça va. Et puis, bah ouais, c'est vachement plaisant. Hein. C'est vachement plaisant. Moi, j'aimais bien le premier. Et là, je suis contente. J'avais... voilà, là, je joue avec mon frère et un pote à nous. Et je suis assez contente que... que ça leur plaise, parce que bah moi le premier Z-Forest, c'est justement parce que je trouvais personne qui était super motivé à y jouer que j'y jouais pas. Donc celui-là, on va pouvoir un petit peu voilà. Ouh, le gameplay trop lourd, gestion inventaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors après, dans le premier, c'était pas mal comme ça, mais oula, mais il y a un arbre qui est tout bugué là. Oh la vache. Waouh, punaise, l'arbre, mais il était immense en fait. Ouais. Il était pas mal grand celui-là. Mais oui, effectivement, au niveau inventaire et tout, c'est pas du tout aussi fluide que beaucoup de jeux de survie qui vont axer le truc, qui vont axer le jeu sur un peu moins de réaliste. Là, vraiment, ils essayent de faire super réaliste et ça fait que le moindre truc est un peu est plus long que dans n'importe quel autre jeu du genre. Il y a notre PNJ qui est tout bugué. Enfin, pour moi, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Je vais leur donner un ordre. Oula! Tu lui as éclaté? Il est mort. Ouais, parce qu'on lui donne un ordre, ça a lâché mes objets. Et... ça lui a jeté dans la gueule. Mais dis-moi. Maintenant, je peux lui redonner. Je peux lui donner un ordre de prendre du bois, Lox, parce que je peux plus lui donner d'ordre là. Hop là. Prendre objet. Non, pas ça. Ah, c'est D. Ok, prendre objet. Pas du tout. Ok. Allez, on va y arriver. Il en faut du bois, punaise. Comment je valide? E, ça marche pas. Cliquer, ça marche pas. D, ça marche pas. Entrée, ça marche pas. D, droite. Bah, droite, moi, ça me fait... ça m'ouvre. Tu veux prendre l'objet? Faut que tu fasses ramène. Ah! Un objet, c'est genre tu donnes un objet que t'as dans tes. Ramène. Des bûches, c'est ça? Ouais, bûches. Et ici, tu veux déposer ici? Ah ouais, il aurait fallu que tu te déplaces, mais. Ouais, bah, tu verras bien. Attends,
Bah ouais, mais du coup, il me suit pas. Donc faut que je fasse suis-moi. Oh, c'est chiant. Ah. Je vais arriver. Merci beaucoup pour le follow. Merci, c'est gentil, Gadine. Et comment je quitte ce menu à la con? Hein? Putain, j'arrive pas à fermer de ce côté-là, ça me saoule. Une galère. Voilà, on va voir. Oh, ramène! Alors, le pire, c'est quand vous avez la lampe de poche, vous pouvez pas changer entre briquet et lampe de poche rapidement. Mais oui, c'est ça en fait. On est d'accord qu'il y a très peu de raccourcis. Il y en a juste pas en fait. Ou pas du tout en fait. Ouais, c'est assez lourd. Mais peut-être que ça va être fluidifié plus tard parce que bah, il est sorti en early aujourd'hui. Et il a beaucoup beaucoup évolué le premier Z-Forest. Donc je me dis qu'ils vont peut-être se rendre compte de ça ou que les remontées des joueurs leur feront un petit peu... Ah, j'ai mangé des fleurs. D'accord. Leur feront un petit peu réfléchir à ça. Non mais il est tout bugué moi. Je veux dire suis-moi. Hein. Il pète un câble. Hein? Moi aussi. Ouais, il me suit vite fait, hein. Je suis de très loin là. Viens là, bro. Ok. Et une commotion cérébrale, je crois. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que dans le... On le voit très peu, mais dans la cinématique d'intro, on le voit, il est tout sonné et on essaye de le réveiller un petit peu. C'est pour ça, en fait, qu'il a ce côté un petit peu légume. C'est que... C'est volontaire. Bon, c'est peut-être aussi... Ça permet aussi de pas avoir trop à se prendre la tête au niveau de la personnalité de l'IA, mais... Mais d'accord, ok. C'est bon, ça marche, il ramène bien le bois. Bah oui, mais il a fallu qu'en fait, je le sorte... parce qu'il passe pas par l'entrée. Il se cogne contre le mur et il avance en permanence contre le mur. Ce qui n'est pas très pratique. Et du coup ça, vous le posez comme ça alors qu'il n'y a pas de plomb? De quoi? Bah, moi en fait quand j'ai des bûches, je peux pas les poser comme ça, il me propose pas. Parce qu'il faut que tu regardes sur le truc, ça va te mettre un truc blanc et là tu pourras poser. C'est ça. Ah, j'avais peur que ça casse un truc. Ok. Ouais, en fait, c'est un peu de la construction. C'est rigolo. Ok, ok. C'est une grosse partie. Ok. Je comprends. Smart de l'équipe des développeurs. Oh, mais oui, c'est ça. Ok, rendons-le simplet avec l'accident, mais c'est exactement ça. Il est tombé pile poil sur la gueule au mec. Il a déjà pas de vie. Non, pile poil sur le bout de l'arbre sur la tête. Il est déjà pas bien frais. Oh, regardez, il y a une IA, il y a un méchant qui nous pique une bûche. Il galère genre. Il galère. Bah oui, c'est pas pratique hein. Oh toi. Tiens. Oh toi. Bon alors toi. Je lui ai mis des bûches dans la gueule. Combat de bûche. Vas-y, viens là. Il met une petite bûche dans la gueule, elle est partie en courant. Eh, hey, t'arrêtes, oui, c'est ma bûche, toi. Psst. Eh, hey, mais... Ouais. Moi, je t'ai pas eu. Attendez, y en a une qui m'embête. Faut que je prenne ma truc. Elle est où? Elle est là. Eh, c'est ma... C'est à moi, pas à toi. En plus, ça peut pas peine de crier, hein. C'est quand même ma bûche, hein. Ah, il nous jette des cailloux. C'est une manif. Attention, une vie. What? Il est dans... Quelle petite pute. Je suis blessé, je rentre dessus. Tu
suis blessé. Non mais c'est méchant. Bon. Je veux des poissons ou une tortue ou je revenir, je pense. Ouais. Ouais, mais bon, il nous attaque, bro. Il nous attaque pour des bûches. Et là, on est trop mignon, on terraforme nickel. On fait notre petite muraille là. pour les empêcher de venir. Et eux, ils viennent. Toujours des bonnes. C'est toujours une bonne idée, ce genre de délire. Voilà, on avait une belle vue. Hop, maintenant, ça va être comme ça la vue. La violence. Ah bah que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Je trouve qu'on s'adapte simplement aux coutumes locales. C'est important quand on arrive dans un nouveau territoire de s'adapter. Bon bah, en arrivant, ils ont essayé de nous éclater la gueule. On peut que leur rendre gentiment l'appareil. Et trop streameuse pro, il y a un petit côté ultiable. C'est adorable. Mais bon, pas du tout. Ah, j'aime beaucoup tes streameuses, je la regarde souvent. Et je lui ferai pas l'affront de me comparer à elle. Mais c'est gentil. Mais c'est le décor ça, regardez ça. C'est le décor, ça fait tout. Avant j'avais un fond vert, maintenant je l'ai toujours, il est là. Je l'utilise quand je joue à certains jeux. Ah ouais, tu l'utilises encore? Ouais, quand je fais du Euro Truck par exemple, comme ça je me mets dans le camion de l'amour. J'ai et tout. J'utilise quand tu joues à des jeux, quoi. Et j'utilise quand je joue à Elden aussi. Un jeu. Et certains jeux, ça dépend. Des jeux où il y a un HUD un peu trop présent, et ben c'est bien d'avoir. Non ! Et tu lâches ! Tu lâches ! Oh non, il y a des nichons, je vais être ban Twitch. Je cache les nichons. Je croyais qu'il était vivant, mais non, il... Ouah, mais elle fait trop mal. T'es sûr, mais tes nichons vont me faire ban. Pas déconner, quand même. Du coup, je les ban de la vie. On empile bien des rondins. Du coup, on avait une super vue. C'est génial que maintenant, on l'ait plus. Et on l'a encore depuis là-haut. Regardez ça. Regardez ça. Hop. C'est bon, Lox. J'ai jeté son buste dans la flotte. Ah, ça, c'est bien. Ça va nourrir les poissons qu'on mangera après. On sera plus embêté. Ça manque un peu d'une fenêtre, mais on peut voir par les interstices. C'est un joli décor, hein. Light Kali, micro légendaire. Ouais, le micro, ouais. Mais le micro, c'est tellement... C'est tellement le premier truc en fait à avoir un très bon micro. Et bon, celui-là, le problème c'est qu'il fait trop l'unanimité. Du coup, si t'as envie d'investir dans un micro... Avec les portes, le nulos là, il... Bah en fait, c'est que pour lui, il n'y a pas de mur. Le problème c'est qu'il y en a un. Ça fait une petite contradiction du coup. Termes de voix, animation, bon j'arrête. Adorable! Merci! Merci, c'est adorable! Hop! Technique là, on spam et je l'ai jeté. Voilà, c'est comme ça qu'on empile du bois. Ah, c'est comme ça que tu fais un. Ça. Galère. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, ils peuvent passer là. Hein. En fait, ouais, mais... ils peuvent passer là, ils peuvent passer, c'est vrai. arrêtons peut-être le mur ici dans ce cas, non? Non, mais on peut faire un sol après. Oh non, mais on va pas mettre un sol dans la forêt. On a mis en plus un truc en hauteur. On peut faire un sol. D'accord? Non mais on va pas mettre du parquet. Bah j'ai commencé. Tu déconnes. T'as vraiment commencé à faire ouais. Un sol. Tout doucement. C'est où ton sol? Pas long, donc fais vite fait. Ouais, tu vas demander à... Ici là, ouais. Ouais, je recommence parce qu'il galère.
Tu vas demander à ouais, Samy de Scooby-Doo là de le faire. Mon parquet là. Regarde. Tu veux voir ton parquet? Ah c'est... Ah oui non mais d'accord mais ça c'est... C'est une marche. Non, c'est vraiment un parquet, c'est planche par planche. Non tu déconnes, c'est planche par planche là. Ouais c'est con, je déconne pas. C'est vraiment une planche par une planche qui... Oui c'est genre un petit parquet comme ça c'est 5 planches je crois aussi. C'est deux arbres donc. C'est deux arbres c'est ça. Comment ça coupait deux arbres. On va passer une bonne ça soirée. Parle de Nichon et de Ronda. Peggy 18. Ouais, un petit con là. Il m'attaque. Je l'éclate. Oh putain. Oh putain. You. Par là-bas, ouais. Oh, je défonce. Oh putain. Trop des autres te tuer, mais je le fais gratuitement. Oh, il était quasi mort là, il s'envoie, il s'enfuit. Oh, tous les rondins. Oh, mais la rivière est remplie de rondins. Oui. Partout dans la rivière, oh, personne les récupère. C'est un rondin, regarde dans le ciel près de la rivière. Dans le ciel. Ah ouais, laisse tomber, je l'ai tapé, il s'est barré. Non mais il pleut là, moi je bosse pas quand il pleut hein. Mais tu bosses pas déjà, tu nous regardes depuis tout à l'heure. Ouais c'est vrai ça. Ouais bah je vous regarderai pas s'il pleut. C'est un barrage ou quoi? C'est vrai qu'il y a un petit côté castor là. Bon allez je prends. Hop. Hop. Du coup ça sert à foil ça hein. Ouais. Bravo. Et on a un problème, t'as vu, on peut pas construire là-bas. Ah si, c'est bon. Ah. Ok. Je suis tombé. De quoi tu parles? Ah oh, c'est bon, c'est bon. Attention, petit Lu. Ouais, j'ai vu. Il pleut trop là-haut. Mais oui. Venez, on va faire dodo. Oh non, c'est chiant, après il fera nuit et tout. Ouais, c'est pas la réponse à tout. Hein. Moi, quand j'ai un problème, je vais au pieu. Ça va vachement mieux. Avec Tony Glandine. Ça me fait ça, ça. Ah non, je crois que je suis en train de me cramer. J'avais froid. Attention, là, derrière toi. Si vous touchez pas, ça peut dépop après 5 minutes. Quoi? Les rondins? Pli? Vraiment? Ah bah, attendez, je vais récupérer. Hop là, attendez, hop, hop, petite strat pour sortir dans un enclos dans Minecraft. Mais pourquoi on peut plus construire? Ah mais c'est parce que c'est de la merde ça. Ouais. Hop là, je les mets là. Peut-être sinon je fais ça. Non là je passe pas. J'ai une trop grosse teuté. Ok là. Attendez, je les envoie. Hein? Je envoie pas tuer la barrière. Je pense que c'est une bonne idée. Oh, joli. J'y croyais moyen, hein, j'avoue, je me suis dit que j'allais t'éclater de ce que t'avais fait. Contente. Oui! C'est marrant. Session! Et merci. Tac, tac. Bon, en vrai, je pourrais faire le tour. Je suis vraiment à 3 mètres et demi, quoi. Mais je trouve, c'est... Voilà, on apprend des nouvelles compétences comme ça. Là, hop. Hop. Ok, ok. Il y en a d'autres dans le coin? Non, c'est ok. Il y en a un là. Oh, mais c'est un petit, ça. C'est un petit... Non, mais c'est des petits bouts de rondins pourris. C'est des moignons de rondins, ça. Bah c'est pas mal, ça a bien avancé le mur, hein. Oui! C'est super! Moi j'ai galère de fou pour bloquer ce côté-là, là. Mais bloquer après, faut quand même que nous qu'on passe.
Non mais pour ceux de l'extérieur là c'est bon ils ont. Eh c'est mignon, on pourrait mettre un petit bateau ici. Hey, je vais nager un peu. Non c'est chiant la pluie. Allez. Bon allez, on est reparti pour casser du bois. Rajouter les rondins pour boucher. Alors je sais pas. Imagine ça. Oh, attendez là, je peux faire un truc là. Oh la pute. Oh si, et regarde, on peut boucher les trous comme ça. Boucher les trous. Bien vu. We can bush des trous avec cette méthode. Comment t'es bouché comment? Eh ben faut prendre des rondins plus petits et en fait tu te baisses, tu te mets en dessous et il va le mettre de traviole. Mais peut-être des rondins pas plus petits ça marche aussi. Merci beaucoup pour la strat. Quelle personne fantastique. Cherche un truc quand tu as livre de construction, comment tu le fermes? Ah, j'ai eu le même souci que toi tout à l'heure. Et je crois que j'ai genre tapé la tête sur mon clavier, au bout d'un moment ça a marché. Ouais, y'en a un qui me tape. Attends, je vais te dire ça en vrai. Comment j'ai fait? J'ai fait G je crois. Je crois G ça marche. Hop là. Voilà, tu vois ça marche. Non c'est B. C'est B, livre de construction. Ah, enfin il arrête de pouvoir. Comment je galère? Ouais c'est B ouais. CB pour livre de construction, voilà, tout simplement. Je savais pas, j'ai spéculé, mais très malin, très malin. Le mec il m'a simplement dit, oh bah t'as pas moyen de boucher le truc en te mettant, en regardant en dessous et tout. Bah si, il avait totalement raison. Génie. Juste un génie en fait. Je pense que j'ai réussi à bloquer Ah ouais? T'as fait un truc chelou? Ouais. Je sens que t'as fait un truc chelou. Grave chelou mais... Je vais voir. C'est de l'art. Ah, ça c'est bien. Moi je trouve que c'est bien quand on apporte une petite touche de nouveauté à chacune de nos inventions. J'avoue. Mais tu sais que ça nage, hein, je crois. Hein. Non, je sais pas. Ce serait probable quand même. Je crois pas, mais dans le... Ils galèreront quand même à venir ici. C'est pas faux. Je me suis trompé de touche. Bon bah voilà. C'est pas mal. Je partais des totos. Je vais quand même rester du côté de la beauté. Oh, dis donc. Retire un élément de structure placé en maintenant C. Ah ouais, j'ai mis un rondin pas assez grand, je pense, pour boucher un côté. On peut l'enlever avec C pour le remplacer par un truc plus grand. Genre là, là, une vie. Ça, ce serait bien de... Je vais essayer de l'enlever. Ah ouais, je peux l'enlever trop facilement. Viens, s'il te plaît, avec ton rondin. Pourquoi? Parce que là, tu pourrais boucher ici mieux. Parce que moi, j'ai mis un rondin tout petit et ça marchait pas trop. Genre, tu t'accroupis, tu vas voir un truc en dessous. Ça va faire comme une vague ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est la vague que j'ai vue dans la... Non, mais je peux au pire... Tu peux pas, là? Moi, de mon côté, j'ai l'interaction possible. Ah mais peut-être que t'as un rondin trop grand sinon. Ton rondin il est trop grand, Envy, je crois. Il me fait peur quand j'entends des trucs comme ça. Non bah sinon, c'est... ouais je pense que t'as un rondin trop grand. Faudra te couper un peu. Moi j'en ai un minuscule. On est marre de dire ces phrases. C'est bon, je vais faire un petit sol. Cette partie là. Non mais on peut boucher bien. Mais viens, on arrête avec le sol. Viens. Viens on arrête. Ça bouge pas là. Mais... Enfin, mais oui, ça bouge pas parce que j'ai enlevé le truc. Attends, B, inventaire, H. Là, je coupe un petit bout. Genre comme ça, hop là, petit bout. Et... Je peux pas. Je peux... Petit bout. Caillou. Pourquoi je peux pas hein? Pourquoi ça veut pas? Ah, si, comme ça. J'ai tué un papillon. Allez. Je peux pas continuer au bout. Regardez si vous pouvez mettre une bûche au bout. J'arrive pas à la mettre. Ouais, ouais. Ça me gonfle. Je m'en occupe. Ah, mais attends, j'ai soif. Oh, il est fatigué ce niveau. Bon, je vais chercher un bout de boîte déjà coupé, ça me saoule. J'arrive pas à le faire. Ah, celui-là. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est mi-coupé. Je pense que c'est bien. Minuscule, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Gaijin. Je passe des choses sur ce stream dont je me dédouane à peu près. Un peu. Non, mais en fait, on peut encore passer là. C'est tout ripou. Bon, Andy, faudrait que tu mettes ton parquet là. Non, ça va pas là. Comme ça, en plus, on marchera droit sur tout le long.
Oh non, les rondins ils flottent. Hop, ils flottent. Ah ben, excuse-moi, j'avais pas vu ton message, monsieur Skull. Le couteau a un raccourci en mode clavier, non. En tout cas, on l'a pas trouvé. Mais il y a, à part le... Comment ça s'appelle, la... Le briquet, j'ai pas trouvé d'autres raccourcis d'outils. J'ai pas tous testé. Nous allons faire ça actuellement. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est le toki. C'est bon, je parle plus dedans normalement. What? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelle touche? C'est U. C'est quand ça te montre le petit sac à dos vite fait. Et tu veux mettre des choses dedans. Comme ça, c'est plus rapide pour les prendre. D'accord. Que c'est la map. L, c'est le briquet, je crois. Oui. Lox, fais attention, je crois que ça tombe sur toi. Ouais, fais gaffe, fais gaffe. Ah mais j'en ai marre, vous me visez tout le temps. Dites-le si mon existence vous dérange. Oh, ça crie encore. Je pense que c'est un bébé renard. J. H. G. J'ai fait quoi avec G? J'espère que j'ai pas acheté ma H. G. Non. F. W. Là, tu peux pas le mettre ici, je sais pas pourquoi. C, V, B, B, N. Il s'est excité, j'ai juste un rondin dans la gueule. Ah, c'est ça. Ok. Bon, voilà. Attention, il y a une meuf, non? Il y a un mec qui a... Il y a un mec à quatre pattes là. Oh, dans sa gueule! Tu l'as éclaté! Oh, il m'a tué! Non, c'est moi, peut-être. Bah, il m'a tué reste une phrase correcte, alors. Il y en a encore un, Tu m'arrêtes trop vite, j'avais pas fait gaffe. New. J'étais début, j'aime bien. Derrière vous. Donc c'est GPS, vous. Ouais. Il a l'air un peu notre mate. L'éclataxe. Cette menace est désintégrée. Quand tu ouvres ton inventaire, tu peux mettre le sac en mode. Ouais, tu mettre je le sac à dos au milieu et supprimer ou ajouter des objets en accès rapide, d'accord. Il y a des objets en accès rapide. Le sol est trop bas ou un truc comme ça. Ouais, j'essaie de voir si on peut trouver des solutions. L'endroit est fort charmant. Je peux tout de même me préciser. Gigi. Ah ouais, mais attendez. Attendez, je crois que mon ordre au gars... Je crois qu'il... Il amène tous les trucs là-bas. Non, alors bro... Peut-être lui dire d'aller chercher du poisson, là. Galère un peu. Copain. Eh oh, l'ami. Calm down. Ramène. Poisson. Dépose ici. T'as fait un petit décroché. J'essaie de voir, mais ça se joue pas le problème. Allez. C'est trop nuit, mais j'ai pas de tissu. Oh non, va rien voir, ça va être trop chiant. On peut faire des barrières en picot. Ou pas. Pas du tout. J'entends une petite animation, le perso met le sac en avant. Ouais, je vais te montrer ça. Pardon. Ça va être plus là-dessus. Bah, je peux plus. Ah oui, t'as réussi là, je crois. Ouais, mais attends, je. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des soucis? Non, Toto, arrête. Arrête. C'est bon. Non, c'est pas bon.
Non, c'est bon. Quand je fais genre ça. Voilà. Tu les as cassés en deux, nos bûches. Là, c'est les trucs mis en avant. Là, c'est les trucs raccourcis. T'as dit de pas les mettre, je t'ai dit non. Quand on reste appuyé sur I, ça fait ça. Et quand on appuie vite, ça nous met l'inventaire. Mais du coup, les trucs raccourcis, c'est quoi? C'est ici? Pas trop fait gaffe. Les cailloux. J'ai les trucs en raccourci en fait, mais je ne sais pas comment choisir de les avoir en raccourci. Parce que là, j'ai un peu tout nawak quoi. Oh, ma gourde, j'ai jamais utilisé hein. On a une petite gourde là, imprimée en 3D. Eh, oubliez pas de remplir votre gourde aussi. Non, là, c'est bon. Hop là. Et voilà. Mettre dessus. Mais pourquoi j'ai pas beaucoup de vie? Ah oui, je me suis pris plein de coups là, ouais, gueule. Et je suis un peu morte. Ah puis ça serait une porte. Hein. Si j'ai réussi, ouais. J'ai réussi là. Attends. Ah, pas en avant, clique sur I, ensuite sur ouais, ouais, c'est mis presque au même niveau. Ah oui. Ah, mais c'est attends, une moyenne. C'est ça que je... Ah, il est là, oui, d'accord. Ajouter, c'est pas okay. D'accord, c'est que t'es trop grand encore. Ok. Ah, c'est abusé. Alors, comment on détruit ça là? Non, c'est bon, regarde là, c'est bon. Ah bah c'est t'as réussi, comment t'as ouais. fait? Bah j'ai juste mis dessus, des grandes bûches. Vous faites ouais, des bêtises? Moi j'arrivais plus. Je vais allumer le feu. Ok, ouais c'est bon. Pff, galère hein. Bon, allez, on est bientôt en sécurité. Après faudra bloquer les portes, comment on va faire? On mettra des portes? On passe la nuit ou quoi? Ouais, s'il vous plaît. Oh, je vais die avant. Oh tu fais ce que tu veux, je vais brûler des billets moi. Hop là. Je suis trop métal. Où est-ce qu'ils sont les petits? Il est 18h, il fait déjà nuit. Écoute, on est encore en hiver, je te ferai signaler. Bourse en cuir collected. Hein? Qu'est-ce que j'entends? J'entends des gens qui tapent. Pourquoi j'entends des gens qui tapent? Je sais pas où il y a la meuf. Coucou. Ah, va me donner de la martini. Oh, t'as trop de chance. Moi aussi, je veux. Elle est où? Non, laisse la gentille. Merci. Oh non, le bâtard! Mais t'es vraiment un enculé! Je l'ai pas attaqué, j'ai jeté une bûche à toi. Un coup de hache, tiens! J'ai jeté une bûche! Tu es mort. La bûche qui m'a fait sauter encore. Trop métal, comment quand ça? Je l'ai déconstruit. Moi, c'est trop métal. Je crame des billets. Moi, si je n'ai pas besoin. Peu vrai ou pas? Franchement, je suis pas sûr. Mais t'es pas mort, t'es où? Moi je le vois pas. Moi non plus. Faut me relever. Et t'es où? Ah c'est là-bas et là-bas et là-bas. Là-bas et là-bas et là-bas. C'est bon. Quand tu déconstruis ça te fait jump. Bon on fait dodo. Je enfin, mangerai demain. Touché, je n'avais jamais réussi à la toucher, c'était un peu une fierté. Arrête t'es méchant. Pourquoi t'es méchant avec une gentille c'est dame? C'est bon vous avez donné à bouffer. T'es trop méchant. Une vieille myrtille, là. Bon je fais dodo moi. J'arrive. Salut Shadow, excuse, t'as pas dit bonjour je crois. Si je l'ai dit dans ma tête. Je suis désolé. On va finir par vous tuer. Salut. Vous m'avez envie de nous attaquer maintenant, avec vos conneries. Ce sera bien de ta faute. Mais bah, non, vous l'avez laissé entrer dans nos vies. Bien sûr que j'ai laissé entrer dans ma vie. Tu veux pas entrer, laisser entrer un petit peu de danse dans ta vie? Un petit peu de douceur, non? Pas du tout. Toi tu n'as qu'une vie de parquet et de méchanceté. Merde, j'ai faim. Oh, tu sais, c'est parce que tu aimes le métal. Wow, je me mords. J'écoute très peu de musique de manière générale. N'empêche, je l'ai trop bien visé avec la bûche, vous avez vu? Gagne nul. Alors, elle est à moitié à poil, elle a trois jambes, elle vous donne des myrtilles et vous, tout va bien, quoi. Exact. Bêtement taré. En tout cas, elle m'a remis bien. Elle m'a donné pas mal de choses. Tiens! Un fusil à pompe. Ah des balles. Oh, moi je vois. Je reviens, elle revient. Moi je suis gentil. Attends, j'ai une bûche. Ouais. Merci. Fais une bataille de bûches. Je vais la bûcher. Moi. Ah
qu'on se marre. Un peu de sérieux la merde. Ah bah je vais manger un truc bien cramax là. Oh non mon perso il va vomir. Ah il vomit bien là. Ah l'autre je le mange pas l'autre. Ok je viens mettre ça. J'ai eu des problèmes, j'ai vu un mec derrière, j'ai mis des bûches comme ça je le voyais plus. Et voilà tout simplement. Et... Wow il est vénère mal, hein. Oh il est pas gros. Ah bah hein. En même temps on attaque les ballerines. Moi j'ai envie de dire, point d'attaque le ballerine de ne pas de la des conséquences. Ah bah MOS. J'arrive, je prends ma truc. Ils sont violents. Ils passent par-dessus les murs sans problème, j'ai l'impression. Ah, ils tapent le mur. Ouais, elle est passée par-dessus. Oh, on a encore des petits trous dans nos. J'ai éclaté. Oh, j'ai tellement éclaté. Moi j'ai l'impression. Aïe! Mais il m'a retué direct! J'arrive. Mais non! Mais il me retue direct. Je peux pas. J'arrive. Je me heal un peu. Ok, c'est bon. Je vais t'aider. Faut rester auto là. Ah, faut les tuer, vous avez le temps hein, parce que. Oh, je me casse. Oh merde. Il m'a tué! T'as vu, ils sont folles! Tiens, un bras en moins! On le défonce à terre! Il a un peu abîmé notre truc en plus, je voyais, ça balançait des bus par deux. C'est bon, par deux. Il est mort. Ouais! Ah, il cassé, mais comment. Alors, je peux réparer peut-être là. Vas-y, je mets des poissons à cuire! Ah, j'ai réparé! Ah, bah c'est bien, bah ça s'entend dans toute la boîte! Dans toute la. Pas de la boîte, le. Dans tout le camp, on entend vraiment des coups de marteau partout. Surtout et ce bruit, on l'entend, mais partout. C'est-à-dire que s'il répare le camp et tu as l'autre bout, je l'entendrai quand même. Ouais, t'exagères un petit peu, je te connais. Ah, mais je te promets. Bah, mais c'est... En fait, on l'entend pareil que je sois à côté ou que je sois à. À 270 mètres. Ouais. Comme ça, je te connais là. Tu dis. Des baffes. Vous avez soif. Il y a du. Hé, hey, j'ai mis des trucs à cuire, vous devriez manger. Oui, j'aimerais bien manger, oui. Bah, mais oui, pas bouffer bien là que... Donc, tu fasses des trucs un peu là. Hein. Bah, j'avoue, j'ai pas envie. Viens, on explore. Ouais, on va bientôt y aller. On finit le mur, je pense. Et puis après, on aura une base. J'adore ça, le métal. Métal. Mais comme si, moi j'aime bien le métal chanté. Ah ouais? Ouais. Pas genre... le métal, mais ça joue. Je sais, ouais. je sais plus comment ça s'appelle cette manière de chanter, mais je suis pas. Je trouve ça chiant. Ouais, il chante avec le. Bah, la gorge en fait. C'est chanter avec sa gorge au final. Ouais, je pense, mais c'est. C'est du throat singing là. Mais c'est ça ce que se distingue les... du. En fait, c'est à la base, c'est de la musique mongole. À la base. Ouais, mais eux, ça fait plus. Ça fait. Ouais, c'est ouais, ça. Ça fait des... Ouais, mais c'est quand même avec la gorge. Ils ont un le chant guttural. Mais le chant guttural, en vrai, dans les chants un petit peu inspirés de la Scandinavie, viking, tout ça, t'as du chant guttural, mais c'est du vrai chant. Attends, le scream. Ça, mais moi, j'en scream growl. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est plus du hurlement quand même. Tiens, mais ça, j'aime pas. Bon, je vois sur le chat, mais c'est ça là. Ah non mais vous laissez cramer les... Vous laissez cramer moi, les trucs hein. Non c'est bon, regarde c'est pris. Les cordes vocales qui travaillent. Exactement. Oui on peut mettre les cadavres dans le feu comme dans le premier mais on n'a pas réussi à manger les cadavres. Par contre du coup on peut en faire des os. J'arrive à looter non. Et il me gêne le cadavre. Ah c'est bon. Découpe-le. Ouais non mais je sais. Mais après bah en fait vu qu'on ne sait pas trop quoi en faire, j'ai pas envie de me faire chier à découper tous les cadavres qu'on a tu vois. À part bah en fait, cramer. Toto, ce qu'il aurait fallu faire, c'est quand prendre. Coupe la part. À part cramer les têtes pour en faire un gourdin et peut-être des os pour certaines constructions. Pour le moment on n'a pas des masses besoin. Puis t'as vu que toi que ça prend. Parce que même quand tu vises que les. Tu es un oiseau non? Un piaf. Je peux pas le loot.
On peut pas loot les piafs quand on les a. Ouais, j'ai pas réussi, mais on peut bien les massacrer, c'est gratos. Hein. Easy quoi, ouais, gratos. Tu peux m'aider à choper le cadavre du mec en rouge, j'arrive pas. J'essaie de le porter, mais je peux pas. Il est où? Ah non, je suis la mauvaise personne. Qui c'est le mec en rouge? Ouais, c'est les cordes vocales, exactement. C'est pour ça qu'ils disent que tu chantes avec ta gorge dans ce moment-là. Non, justement, ils disent c'est pas les cordes vocales. Ah oui, justement, c'est... Oui, mais c'est ça vient de la gorge. Je sais pas comment tu fais ce genre de chant un peu. Bon, allez, je vais mettre ça dans la flotte. Dégage. Oh, j'arrive pas, il m'énerve le cadavre là. En fait, il est bloqué dans notre texture là. Moi, je vois pas bloqué dans une texture, moi. Je le vois à l'extérieur. Le rouge là ? C'est pas... Attends, le rouge, c'est qui le rouge ? Ah, c'est bon. Juste derrière là, viens, ici. Bon, j'avais même pas vu qu'il y avait un gars rouge. Mais on l'a même pas tué, je crois qu'il s'est bloqué, il s'est tué tout seul. Hein. C'est celui qui a défoncé Toto, je crois. Ou alors Toto l'a tué avant de se faire défoncer. Non, moi je me suis bien fait défoncer. D'accord. Oh, il y a un gros bidou. Vous avez vu son bidou? Oui. Ah oui, c'est ce qu'il disait, Toto, c'est un vrai gros, le truc. Oh, il a un bidou, quoi. Alors étonnant dans un contexte comme ça. Lui non plus, on peut pas le déplacer. Ouais, mais on peut les déplacer quand on les découpe, en fait. C'est ça que j'arrive. Ok. Est-ce que quelqu'un dans le chat sait comment on enlève le petit picot au sol? Ah ouais, on a des... Je vais vous montrer. On a un truc comme ça, là. Et en fait, il n'y a pas de texture, mais je pense que malheureusement, vu qu'il n'y a pas de texture... On sait pas comment le virer. On fait pas une porte de ce côté, d'ailleurs? Un peu, Toto? Je me lavais un peu. Je sais pas, hein. Ah. Bah quand même, ouais. C'est pratique. Ici, là, à peu près, là où t'es. Ouais, non, on la fera ici, hein. Il a disparu. Ouh là là. Mais t'arrives à les récupérer quand ils sont dans l'eau? Ouais, tu les pousses. Pour les pousser. Ah, ça doit être chiant. C'est chiant. Non, tu les pousses une fois et ils vont de l'autre côté. Pour retirer certaines structures en maintenance C. Ah, mais c'est considéré comme une structure, ça? Ah oui. Je savais pas que c'était une structure, je croyais que c'était un arbre. Ah, ok, bah merci beaucoup. Ah, certaines structures on peut en faisant C? Ah, ouais. Merci les gars. Je savais pas que c'était une structure. Ah, nous on joue au jeu, on est nuls. Ouais, mais bon, heureusement j'ai un chat extraordinaire. Merci le chat. Hop là. Des tricheurs. Bon, on ira explorer demain. Là, on pourra pas aujourd'hui. Il va faire nuit, je pense. Mais quelle heure dans le jeu? On sait rien du tout. Comment vous savez, vous? M, GPS, téléphone. Il est 10h. Du matin? Oui, oui. La journée. Bah, hein, on y va alors. Du matin? Non, mon frère, que je dorme parce qu'on perçoit, il est mort. Du coup, il a pas de force. Oh là là. Mais au pire, on peut dormir en matin. Ouais, mais après. Non. Autant profiter, mettre à profit la journée et on dort. C'est bon, je crois, le sol, on l'arrête là, non? Ouais, ouais. Suffit. Et j'ai regardé si on peut faire des portes ou des trucs comme ça. Oh, y'a la table qui danse! Ouais, bah regarde dans ton journal. Comment on peut faire des portes? Mais tous fofolles! Bah alors, qu'est-ce que t'as, chérie? Elle est où? La gazelle là. Tu la vois? Elle court autour du camp. Elle fait la fofolle. Je suis curieux quand même de cette histoire de ce PNJ. Bonjour jeune fille. Ouais, mais bon, tu l'as attaqué. Elle va chez son pote, je suis sûr. Elle va aller voir petit Lu, c'est sûr. Je vais tomber un arbre sur la gueule, je la vois. Laisse-la tranquille. Attends, je suis sûr que je peux la voir. Faut que je vise. Allez. Non, elle a rebougé de l'autre côté. Vas-y, enfuis-toi, petite gazelle. À trois pattes. Franchement, ça aurait été drôle de voir comment elle réagissait à ça. Parce qu'elle attaquait l'arbre, parce qu'elle lui donnait des glands. Mais non, elle est gentille. Mais t'en sais rien, c'est là. C'est une petite fée à trois pattes et trois jambes. Mais depuis quand tu prends les bonbons d'inconnu? L'inconnu, c'est une ballerine. Ah oui, parce que c'est ce que tu fais. L'inconnu, c'est une ballerine, je prends direct. Toujours juger les gens à l'apparence.
Ah oui, faire une porte. Alors, comment qu'on fait ces petites portes? Ça, c'est pas ça. On peut faire des chemins. Oh putain, ils attaquent ouais, ils sont deux. Mais non, c'est pas... oui, vous avez besoin d'aide? Il y a un canard, attends, avant. Il y a un lapin. Je... Tiens. C'est pas one? Hey, tu piques pas mes poissons! C'est mes poissons! Il y en a un dans ton dos, fais gaffe. Ok, juste... vas-y, finis-le. Derrière toi, ouais, c'est là. Ah, il se bloque. Tu pourrais nous défendre quand même. Écoute, il a déjà des soucis. Ah, merde, j'ai mal visé, Toto. J'ai très mal visé. Oh, j'ai tellement failli le prendre dans ma gueule comme ça là. Non, oh, c'est par chance la cabane. Je vais aller la réparer. Oh là 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 là. Quoi? C'est bon? Il a tout cassé. C'est le deuxième de Sons of the Forest. Il y en a encore un, les gars. Je peux jouer pour le moment. Ah, je peux pas jouer pour le moment, j'attends ma pote cet après-midi. Je vais devenir fou à wait. Mais c'est bien d'attendre aussi, parce que je pense que de toute façon, pour le moment, on n'a qu'une petite partie du contenu. Et comme dans Z-Forest, ça va se rajouter au fur et à mesure. Mais là, il attend pour jouer. Mais quand j'avoue. Sera identique. Je comprends. Il attend pas pour jouer dans 6 mois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y aura une mise à jour déjà d'ici demain. Oui, mais bon. Il patch day one là. Peut-être pas plus mal. Je crois. Ouais. C'est free, c'est free. Il a tout cassé, il s'est pas visé, mais oui, il s'est pas visé. Attention derrière toi, petit loup. Non, c'est que je pensais que c'était un arbre tout il neuf. Il vient nous piquer nos poissons, en fait, je crois. Ou alors, non, il traverse le camp. Non, mais please, c'est bon, quoi. C'est pas un passage d'un circuit touristique, ici, en fait. Ça dégage, ça. Un petit cul, là. Je vois un petit cul, dès qu'il dépasse de la barrière, bah, je latte le petit cul. Hop là, petit cul. Vous savez qu'il y a des organismes qui arrivent à respirer par le cul et certains humains pourraient peut-être. Ouais. Pas un moulin ici non plus, ben non. Avec des souris, ça. Il y a, je crois, des cochons aussi. Bon, bah y a pas de porte. There is no door. Je vais aller dans l'autre. L'autre okay, mode. C'est bon, bien visé, je pense. Ah merde, sur l'autre. Putain, c'est pas cool. J'ai vu que je vois un rondin arriver en bas de mon écran, je pense que c'est pas super bien visé. Réfi ? Tu peux me rester deux ou pas ? Non, y'a pas de porte hein, encore. Aïe ! T'as aussi le rondin, il t'a fait des dégâts? Bah le truc c'est que... Non, j'avais un couteau, tu sais que j'arrivais même pas à toucher le mob. Là je pense que ça va se mettre en travers si... Le couteau c'est tout pourri, hein. T'as jamais vu. Bichette. En bichette. On va dire ça, non mais l'autre, il est sérieux. Il faut pas dire ça. Ouais, je connais jamais le couteau, hein. Je sais pas c'est quoi son but, mais c'est pas de faire des dégâts. Ah oui, non, je pense que ça sert à préparer des trucs. Non, mais genre... j'étais collé à l'ad et au meuble, je le touchais pas, je tapais. Ah, attends, bois, oui, on va peut-être rester. J'ai fou le dégât. Ouais, non, je pense qu'en fait, tu peux t'en servir pour tailler des bouts de bois et pour en faire des trucs. T'as fait quoi, Toto, là? Ouais, t'as raison. Bon, pas con, Gadine, pas con du tout. Je vais essayer. Non, mais c'est bien. Hop, là, c'est comme ça. On s'en fout que ça soit drôle, non? Une porte. Ah, non. Ouais, mais faut faire une vraie porte. Comme ça, on pourrait sûrement la fermer. Je crois qu'on peut pas. Bah j'essaye en fait de voir en mettant des rondins de part et d'autre de l'entrée si ça me propose de faire une porte. Vu qu'on construit le mur comme ça et pas via des... Non mais pour faire une porte faut couper en fait, faut faire un vrai mur. Et ensuite faut couper au milieu dans les buts. Et là on pourra faire des vraies portes. Ah ouais? Donc là en gros toutes les portes ouvertes il va falloir qu'on les ferme en mettant les bûches. Puis en fait en coupant au milieu. Donc c'est pour ça que si on veut faire des vraies portes il faut qu'on fasse, je vous dis.
Parce que s'il y a des trous comme ça, ça sert à rien, non? En fait, ce qu'on a fait. Oui. Ah oui, non, bien sûr, moi je pense, je me disais qu'il y avait des portes de prévu en fait, j'attendais juste que bah, je connais pas quoi. Bah tu peux tester, regarde, teste avec une, remplie de bûches. Regarde, ou regarde, remplis-le celui-là, au pire tu testeras sur un autre. Lui, on peut non, faut que j'enlève ça je pense alors. Super, c'est totalement ce que je voulais faire. Je pense qu'il faut que j'enlève, en fait j'ai mis ce rondin là, faut que j'enlève. Ah merci, bon, j'avais pas la visée. Parce que oui, moi je peux pas les superposer. Hop, j'en mets. Ils sont peut-être trop proches. Non. Normalement. C'est pas la. C'est la pierre. Attends. Je sais qui gêne. Celui-là. Je sais pas si c'est la pierre. Tu peux casser la pierre, Lux, tu crois? On a pas de faudrait une pioche, hein. Parce que là, je vois rien de. Mais c'est bizarre. Attends, je vais le réparer peut-être ça. C'est dead je crois, ouais, je crois que c'est avec cette pierre on est un peu dans la merde. Mais c'est bizarre qu'on puisse en mettre. Et là sur le côté le fait de pouvoir en mettre un, ça pouvait peut-être pas. Oh la pierre a fait yesh. Mais comment j'ai placé le bout de bois là tout à l'heure? Ok, tant pis, j'ai une idée. Faire un escalier qui monte. Ok. Mini couloir comme entrée. Oui, c'est vrai, après on peut faire sinon un renfoncement au niveau de l'entrée, ouais. Genre mettre deux murs à gauche et... Oui, voilà, moi j'ai pu faire ça. Ouais, fais ça des deux côtés et de toute façon... Non, l'autre côté ça ne marche pas. Ah d'accord. Impossible. Tellement de bois. Ah non mais en plus c'est un de taper, faut juste faire E, C. Bah après les cailloux, il y aura peut-être des moyens de les miner après. Ça c'est plus si beau ça. Pardon. Mais genre sinon... Là imaginons on veut faire une porte. Ici. Ou ici. Comment tu l'as fait en fait une fois que le mur il est complet? Là je comprends pas trop moi. Le quoi? Bah tu dis il suffit d'avoir un mur plein et après tu peux faire une porte dedans, mais comment? Ouais viens voir. Viens sur un autre mur. Ouais. Celui-là. Essaye sur celui-là genre par exemple. Vas-y. Mets-toi bien proche et regarde les traits rouges comme ils vont se mettre. C'est ce qui est dans le manuel hein. Ça, je il me faut peut-être une... Non, il te faut rien du tout. Juste ta hache. Ah, t'as pas ta hache. Si. Non, t'as ta masse, ça. Ok. Ça explique... Ça me propose d'en couper. D'en couper, quoi. Ça fera vraiment une porte. Ouais, faut que tu... Bon, je vais attendre qu'on ait... Voilà. Et d'accord. Ok, regarde, je te montre, vite fait. J'en mets juste un. T'es trop proche, là. Ah bah, je sais pas, au contraire, j'ai l'impression qu'il faut que je sois très proche, regarde. Ah oui, non. Proche. Et tu vois, là ça me propose de taper. Ouais. Voilà. Tu fais une fenêtre. Mais si tu fais une porte, ce sera pareil. Voilà, mais faut que tu fasses une porte. En fait, dans le manuel, il montrait que c'était comme ça qu'on faisait une porte. Ah ouais. Regarde, appuie sur B. Va sur la page... Bah je suis sur la page porte et il te montre vraiment qu'il faut faire comme ça et après elle se ferme. Et il faut qu'ils soient tous pétés sauf le dernier duo apparemment. Et regarde, ah, après elle se ferme la porte. Je l'invente pas hein. J'ai juste vu ça dans le truc.
Moi, je pense que t'as rajouté la page après, mais bon. Enfin, bref. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Limite, on laisse un peu des fenêtres. Comme ça, on verra arriver. Ils pourront pas passer, ouais, de toute façon. Mettre, des fenêtres, tu peux en mettre. Mais déjà, faut faire les portes, quoi. Surtout, il a fini le sol et tout. Mais là, ici... Toto, je fais une porte où, ici? Tu peux me dire? Je sais pas, mais là, c'est galère, ici. On peut pas le construire. Ah non, j'allais dire c'est, attention c'est à quelqu'un, Toto. Mais c'est lui. En fait, Toto, regarde. Je le pose là, appuie sur C, reste appuyé sur C. Voilà, c'est la vie. Je vais te dire que ça change notre vie. Mais là, on peut rien mettre ici. J'aime bien, il a toujours son téléphone à la main, je trouve ça rigolo. Ouais, comme ça je sais quelle heure il est. Ah ouais, j'avoue. Je vois les... Comme ça c'est la bonne taille, tu crois? Les ennemis. La bonne distance. Ah, on voit les ennemis arriver comme ça? Non, pas du tout. Il est bon, il est très bon. Ouais, ça ira, Toto, comme ça, c'est moins joli. Mais... Ça casse pas. Ouais, ça ira. Ah, t'as réussi à le coller? Bah, j'ai. En fait, je l'ai mis plus loin. Tu sais, je l'ai reposé plus loin en essayant d'être à peu près à la bonne distance. J'ai triché, mais rien du tout. La tricheur. Un tricheur. Non! Ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte. T'as activé un cheat. Ouais. T'as déjà modé le jeu. Ça faut pas. T'as activé un move object on, c'est ça? Faire un trou de la porte et ensuite mettre des rondins verticales, des planches, je pense, ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est comme ça que. Fin... C'est ça, là, que c'est des planches, ouais. Ça avait l'air d'être des planches. Mais je crois que c'est comme ça et que. Tu vois, dans le menu, c'est bien expliqué en vrai. Hein. Ouais, j'avoue. Mais je crois que c'était comme ça que fonctionnait la porte de la maison d'ailleurs. Oui. On l'avait. C'est pour ça que c'était l'an dernier. Parce qu'elle avait exactement la même tronche. Si t'avais lu le manuel, t'aurais compris par toi-même. Hein. Bah, je ne connais pas par cœur, excuse-moi! Mais moi non plus, hein. Excuse-moi, moi je suis là, je suis présente si pour les gens, manuel, je suis présente pour la communauté des Twitch. Toi, tu n'es là que pour couper du bois. Alors c'est bien beau, mais au bout d'un moment ça va bien. Ça va bien le bois. Ça va bien. Oh, ça saoule comment ça rebondit dans la flotte. Moi je vais... Je vais continuer à être inutile en faisant des tours dans le camp comme ça. Petit tour là. Du bois là, s'il te plaît. Ouf. Oh non, mais le bois, moi, couper du bois, tu sais, je trouve ça un petit peu capitaliste quelque part. Le puéril. Et toi, le puéril. Non, mais de toute façon, on n'a plus besoin de couper du bois maintenant pour faire des portes. C'est bon là. Ah oui, il faut couper du bois pour faire des planches. Qu'est-ce qui te dit qu'il faut forcément des planches en bois? Pourrait pas avoir des planches en autre chose? Pourrait pas avoir des planches en roseau? Ce serait joli en plus. Je crois qu'on peut faire un peu de déco, genre. Moi, je mettrais bien des plantes. Je suis d'accord. Genre, des plantes dans les interstices, comme ça qu'il faut. Mais en vrai, les portes, ils peuvent les pousser tout seuls, non? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai créé le jeu, peut-être? Ah, monsieur, j'ai lu le manuel. Ah bah il ouvre moins sa gueule là. Hein. Je trouve ça redondant. Exactement, rondindon. De couper des rondins. Je vais faire ça, tiens. On a fait des trucs. Hop. Ah mais les autres, faut que je les mange. Je les mange. Hop, je fais quoi? Je fais G. Super. Puis je fais... Ah pardon. Ça va taire, puis je fais ça. En fait, tu sais que j'arrive pas? Parce que je pense que, regarde, là, ils peuvent passer, quand même. Ils escaladent les murs, hein. Ah. Non, il est tapé, hein. Il est tapé. Oui, aussi escalade. À un moment, Naing, je l'ai vu juste clairement escalader le mur. Attends. T'as un rondin, m'énerve à me contrôler. Là, que c'est pas pour la porte, là. Attends, je fais cuire mon poisson. Mais j'arrive même pas à passer avec cette porte. Eh, t'es un peu nul, hein. Mais attends, mais on passe même pas? Mais si, parce qu'il y a une marche. Tu vois? Hop! Nickel! fais c'est. Ah, mais non, mais ça risque de faire tomber toute la structure. Ah! Oh, il y a la petite ballerine, bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai enlevé ça, merde. Allez, chérie. Oh, je peux faire un échange! Tiens, tu veux quelque chose? Oh, j'ai rien pour toi, je suis désolée. Oh! Désolé, c'est rien pour toi. Attends, on peut faire un échange. Arrête! Merde!
J'ai pas fait exprès, je voulais faire un échange. Elle est blessée. Elle est blessée, Bichette. Ouais, en faisant eux, ça l'a... Attends, je vais lui filer. Oh, regardez, elle a... Eh, sa tête, elle me fait penser à quelqu'un. On peut penser à qui? On peut penser à qui? Elle peut me filer que des armes. Elle me fait penser à une actrice française. Elle peut me filer que... En fait, on peut lui filer que des armes. Ouais. Attends, je vais faire... Mais non, je me barre de cette putain de fenêtre! Ah, voilà. Elle est aussi maligne que notre amie. Mais elle a un sacré boule. Un sacré boule, du coup, à votre avis, c'est considéré comme un seul cul ou un double cul vu qu'il y a des doubles jambes? Tu tiens bon bout, chérie, continue. On l'a que je referai la porte. On m'a saoulé. Oh, la tronche de la porte. Ça m'a saoulé. Moi, on arrête de couper du bois maintenant, s'il vous plaît, c'est bon? On peut bientôt fini là. Ça fatigue. C'est super en tout cas. C'est pas, ah, ça s'appelle pas Zinoforest pour rien. Zinoforest. Ça s'appelle, maintenant ça s'appelle Z Parking. Doc, tu peux nous préparer du poisson? Je suis trop occupé là. Alors, ah non, 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 non. Je vais faire quelque chose. Bon. Il fait déjà nuit là. Pourquoi il fait déjà nuit? Parce que ça fait longtemps qu'on coupe du bois. Mais ouais, faites ça genre tout le temps. Bah là, au moins, t'as ça, une jolie base. Là, je mange plein de poissons. Un peu cassé, mais. Il y en a un début. The Unforested, exactement. Unforested. Mais oui, mais faut que vous veniez les manger. Faut que vous veniez les chercher, en fait. Venez les chercher, mon poisson. C'est quoi l'accent, là? Tu fais plus jamais ça, hein? Pas les poissons. Ah, les chercher de poissons. Pardon, j'avais tout d'activé. Envy, les chercher de poissons. Complètement taré. Complètement ma boule. Voilà. Tiu, il a tout bien mangé. Parfait, merci. Je vais retourner couper du bois. Non mais stop. Venez, on se prépare pour l'expédition de demain là. Attends, Lox, si sont les poissons, tu peux me les enlever? Il faut juste qu'on finisse celle-là, vous avez cassé la porte. En vrai, c'est pas moi, c'est lui. Lox. Tu fais la porte, Lox, c'est bon. Attends, viens. Mais t'es où, Envy? On a map. Fatigage extrême. Qu'est-ce que tu as, Envy? Qu'est-ce qui t'arrive ici? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux les jeter par-dessus la barrière si tu les veux. T'es sûr, espèce de petit connard. Mais comment? Je fais quoi? Non mais vraiment. Mais des... lâche ton rondin là. Je fais quoi? Je sais pas quel est ton objectif dans la vie. C'est quoi ton pouvoir d'achat? Je peux faire. Attends, oh, attends. J'ai une strat. Attends, j'avais une strat. Non, non, tout niqué, mon truc. Attends. Non, j'ai une strat. Attends. Hop. J'ai du bois. Attends. Non, mais tu as tout niqué. Je vois sur ton live là. Ta gueule! Arrête! Vous êtes pas le bois, je le ramène exprès. Je savais, hein, tu parlais pas, je savais tu rigolais, hein. Même pas drôle. T'emmerdes. Attention, le bois il s'appelle revient. Toto va mettre pas, Lox. Ça nous aide pas du tout, je crois qu'on joue à deux. On va commencer une game. On va aller jouer tous les deux, on va aller se jouer tout seul. On va aller faire une cabane avec deux rondins, et puis après il ira chasser et cueillir des plantes avec l'autre connasse là.
qui va nous agresser dans 2 jours, vous allez voir. Oui, bah t'as vu, tu lui as foutu plein de rondins dans la gueule. Oui, aussi. Je commence à lui enlever. Non mais le mur, c'est bon là, il va au milieu de l'océan, le mur, on peut arrêter Toto. Non mais là on n'est pas assez protégé, hein, je pense. Hein. Ils peuvent encore passer. Hein. Oh, putain. Ouais, c'est sympa en tout cas. Bah ouais, nouveau simulateur de bûcheron d'œil, j'ai pas mal. Hein. Il manque une tronçonneuse, quoi. Il y en avait dans le premier Z-Forest. Donc il y en aura sûrement dans celui-là aussi. T'inquiète. Oh, j'entends des explosions au loin. Bon, en vrai, je t'aide, Envy. Tu veux que je fasse quoi? C'est bon, c'est bon, j'ai fini. C'est bon, j'ai fini. Toi, t'as fini, toi? Presque. Non, mais fais des fenêtres un peu, Locke, non, en vrai. Ah, d'accord. Des fenêtres de 2, je pense. J'ai peur qu'il passe, hein. La fenêtre de 2 là, elle est tout petit à 4 pattes. Moi je passe pas. Tu peux essayer de faire une porte aussi? C'est ton... À la base, c'était ce que tu devais faire. Mais non, mais t'as dit c'est pourri, on passe mal et tout. Mais non, mais parce que j'ai pas réussi. Ah, elle est là. Attends, je suis. Non, 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 arrête! C'est barré. Laisse les jeunes filles tranquilles! Peu importe leur nombre de jambes. Il est quelle heure là pour qu'il fasse. Attends, il fait quasiment nuit là. Oui, mais c'est normal! D'accord! Bon, en vrai, c'est fini, non? En fait, je pense que Toto, t'as peut-être raison. Faut peut-être faire. Je sais pas si ça passe. Ouais, je sais pas s'il passe là-bas. Du coup, j'aurais essayé de faire une porte, même si c'est risqué. Ouais, et après, faudrait faire un sol comme ça partout. Partout, hein. Et voilà, il reste, hein, un pauvre arbre avec une vieille cabane au-dessus, là. J'avoue que c'est ridicule, la cabane dans l'arbre au milieu d'un camp militaire. C'est un peu triste et c'est un peu la maison de... Comment ça s'appelle? La maison dans Up, dans là-haut, tu sais, qui est au milieu de la ville. On a une maison avec un lit, c'est même plus une maison. Non, c'est un bout de charpente. Ah, c'est pas mal là, ce que t'as fait. Hein. Petite fenêtre. Où porte? Ah, mais rampe, mur, porte. Ah, c'est ça se trouve, c'est 2. Ouais. Comme ça. Ou peut-être faut le faire là où il y a un sol, Lox. Non. Il y a pas de sol. Attends. Tac, tac, tac. Ok. Là, celui du bas, faut le couper. On est d'accord. C'est celui du bas, je vais vérifier. Ouais, faut se couper celui du bas. Ok. Mais là, on passe pas déjà. Non, mais faut faire la porte et après on passera. Comment on l'a fait? Ouais, tu vois. Je pense que c'est exactement la bonne taille de planche, ça. Il le dit. Attends, il le dit pas sur le truc. Regarde, ouais, mais même, c'est exactement la bonne taille. Pas du tout ça que je voulais faire. Attends, je vois rien. Hop là. Attends, ils sont où les poissons, Lox? Si on en a pas fait. Ah bah si, mais ils ont cramé. Ils sont là, tiens, regarde, ils sont tous là. Tu dois gérer en plus la cuisson. Mais je sais pas comment te loot des trucs. Alors ça a vraiment mardé. Mais attends, mais faut défaire aussi celui qui est tout en bas. Ah mais ils me le proposent pas. Ouais. Ils proposent pas du tout. Pourquoi, hein? Pour ça que je te dis, faut peut-être au niveau d'un sol. La tour d'observation. Ouais, c'est un peu ça, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de hauteur. Là, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, d'accord. Ah bah déjà, ça c'est pas bon. Là, on passe. Elle est où la planche? Elle était où ta planche que tu pensais qu'elle était bien? Côté. J'aurais rien fait tellement trop nuit. Ah, quand il bouffe le poisson quand même, dégueu. Ouais, c'est vraiment dégueulasse.
Mais après, attends, la dernière étape, c'est marrant, quoi. Tu coupes et après, paf, ça apparaît. Genre, un souci, là. Ouais, c'est des bûches qu'il faut mettre. C'est bizarre, ils le disent pas. Les demi-bûches. Et je peux pas casser ça. Bon, on va dormir ou pas? Oui. Notre lit sympathique. À nous, hein, quand il s'agit de notre confort, on ne se refuse rien. Mais oh, c'est tout, le toit est tout pété, on n'a plus de maison en vrai. Ah oui. Il y a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi je pense que c'est parce qu'il faut couper le dernier truc, mais que on n'arrive pas à le faire. J'aurais peut-être dû le faire sur une autre, sur un autre espace. Là peut-être qu'il est pourri. Donc, du coup c'est chiant, faudra tout refaire. Peut-être là, ici, là, je sais pas. En fait, faut commencer par la planche du bas, si on peut l'enlever ou pas. Parce que, bah, sur le modèle, non, y a la pas. Planche du bas, on peut jamais. On peut jamais? Bah, un ouais, j'essaye là, à plusieurs endroits. J'essaie là où il y a du parquet, alors. Peut-être que c'est ça, hein, faut juste du parquet. Ouais, parquet, il propose, t'as vu? Pas moi, mais j'étais peut-être pas mal placé. Regarde, ici, là. Attends, je le fais. Vas-y, essaye. Putain, de toute façon, on est parti pour tester. Eh, on a un nouveau debuff, c'est quoi ça? Buff en blanc. J'en ai pas moi. En tout cas, faut boire, vous avez peut-être soif, moi j'ai fait soif. Non, j'ai méga soif, mais j'arrive pas à boire. Peut-être parce que tu nageais? Non. Ah, je vais essayer là. Ouais. Voilà, ça marche. Ici, ça marche, ouais. Ouais, souvent c'est juste l'endroit où le perso veut pas, quoi. Ok, donc là c'est bon. Mais ça veut quand même pas. Ah si! Là il me propose de mettre des planches. Ouais, donc c'est ça, faut le sol. C'est des planches, ouais. Ok, faut le sol pour pouvoir péter la dernière truc. Et c'est quelle planche? Bah je sais pas, attends. Elles sont petites celles-là, je pense. Il m'a proposé... Dans une... Ah non, il me propose de casser la planche. Ah voilà, je vous ai fait une porte là. Ah bah c'est bon. Mais comment t'as fait? Il a mis des bûches, d'accord, c'est juste des bûches. En fait le dessin est mal... Ah le dessin il est mal foutu. Il fallait me demander plus tôt, hein. Je savais pas que vous vouliez faire ça. Ah si, j'ai réussi avec des planches. Ah, yeah. Ah bah voilà. Toi tu l'as mis à l'envers la porte. On s'en fout. Ah bon, on s'en fout. Non, j'aime pas. Il va la péter pour la faire. Oh là 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 là. Ok, d'accord, bon bah ça c'est une bonne chose du bah, fait. Je crois qu'il n'y a pas trop de choix en fait. Il n'y a pas trop de choix. Et là ça nous empêche pas de passer, moi. Maintenant, faudrait mettre un petit verrou. Quoi. Ouais, j'avoue le verrou. Bon, je peux pas faire une fenêtre. Donc il faut la porte, non, coup, il faut pas la porte, c'est juste qu'après il faut prendre les bonnes trucs parce qu'il a tout faire. Tu peux aller péter, hein, de toute façon. Non. Mais non, elle est pas pétée celle-là. Si. C'est juste qu'on avait pas les bons trucs en main et que quand on a testé, en fait, on avait pas cassé tout ce qu'il fallait casser. Mais en fait, non, il y a pas du tout besoin, ça va. Pas spécialement besoin de sol. J'espère qu'ils sont pas périmés, eux. Est-ce que faut pas juste rajouter... Attends, vas-y, t'es en haut, je t'en envoie. Vas-y. Je monte. Oh. Faut que tu les attrapes en vol, je crois. Ah, je me mets full. Ça marre. Est-ce que. Mais bon, en fait, pour vraiment faire l'ouverture. Pour vraiment faire une porte, du coup. Il faut n'en laisser qu'un en haut. On va pas faire ça. On coupe tout. Ça marche, au milieu, ça marche. Et on prend des bûches après. On va la réparer alors. En gros, c'était ça. Remember me. Des rondins coupés en deux. Non, vous avez pris des rondins normaux ou des planches pour faire les portes? Des rondins normaux. Rondins normaux. Faut les couper. Ah, faut les couper en deux. Ah, bah c'est des planches alors. Il va le faire auto. Ah, ouais, toi t'avais juste des rondins. Il y en a des coupés là, il y en a un coupé devant moi. Ok. Oh, c'est bon, hein, c'est réparé. C'est vrai? Ouais. Il y a des poissons qui crament. Est-ce qu'on se prépare pour une petite expédition? Ouais, y'a.
Et oubliez pas de remplir votre gourde aussi. Il est super bien ce piège à poisson, je trouve. Super bien. T'as vu, je comprends pas. C'est pas, je peux pas le déplacer donc. Pourquoi tu les mets là ? Éclair au chocolat. Je me suis cramé ! Ah bon ? Ah ! Je crois. Il y a fou le vent, vous avez vu ? Regardez. Ah oui ! C'est rigolo. Il est vénère quoi. Y'a des poissons qui cuisent ou pas ? Oui, vas-y, prenez. Pourquoi on les fait cuire ensemble ? Ah, peut-être qu'ils se conservent mieux dans l'inventaire. Ah, en tout cas, dans l'inventaire, ils se conservent très bien. Hein. Ouais, je suis à fond, je suis trop bien là. Ouais, mais il faudrait en avoir en stock. Par contre, les oiseaux, j'aimerais bien les ken. Tu veux les ken ? Ils sont où tous les poissons ? Tu récupères ? Ah, ils sont là, ah, je lui ai dit, ah, oui, voilà. Okay. Je lui ai dit de les poser à un endroit. Elle l'a mis mettre là, du coup, il en fout. Bah, ouais. Du coup, on a vraiment un cimetière de poissons. Faites-vous, prenez-en quand même des cuits. Rotten. Et bah là, il y en a beaucoup. Pour quand on partit en expédition. Si, quelle heure ? On va pouvoir partir là. Et 9h ça. Ça. Mais je sais pas quand ils sont bons. Là, ceux-là, je pense que ça va être bientôt bon. Voilà, là. Là, tu peux les prendre, ceux qui sont là. Vas-y. Et l'autre aussi. Ah, mais c'est que t'as trop de poissons sur toi, du coup, ça jette un. Ok, tout ribou. D'accord, c'est comme ça qu'on récupère des plumes. Faut faire des nichoirs, les oiseaux vont dedans. J'en ai trois. C'est comme dans. Les nichoirs et tout. C'est comme dans. Raft. Un bruit de cochon ? Ah non, ça devait être un lapin. Oh, elle est là, la meuf ! Elle a réussi à passer ? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle mange ? Elle mange du bois ? Ah, elle a mangé un lapin, je crois que c'est elle, regarde, elle a mangé un lapin. Elle a faim, la pauvre. Bon, alors, bichette ! Attends, si elle arrive à passer, les autres, ils arriveront à passer, non ? Je sais pas. Elle est bizarre, elle. Hop, elle se nettoie. Est-ce que elle est pas juste normale en fait, c'est pas juste un bug graphique qu'on a ? Non, je suis sûr que non. Dans The Forest, quand t'as toujours des trucs comme ça, juste... En plus, ça a l'air bien foutu. Enfin, bien foutu, presque. Genre, y a... Non, c'est pas un bug graphique. En plus, ses mains, elles sont... Elles font des gestes différents. Elles font des gestes différents, chaque main et tout. Ok. Elle se nettoie. Franchement, hein, c'est bien, hein. On a une copine. Bon, est-ce qu'on partirait pas en expédition ? Genre maintenant. Genre quand j'aurai arrêté ma VOD, parce qu'en fait, ça fait trop longtemps déjà. Bisous VOD.